Musique Info spéciale Julien Doré pour la présentation de l'album Love en danois plutôt, enfin ou Love, ça dépend comment on le perçoit. Donc c'est un album qu'on m'a offert au mois de décembre dernier pour Noël, petit album. Album que j'appréciais d'ailleurs, enfin je vais vous l'expliquer de toute manière sur cette vidéo. Donc, je vais vous le présenter, hein, ce que vous êtes. Présenter cet album en gros plan avec une caméra pour vous faire bien. Donc Julien Doré aujourd'hui 3 albums à son actif bon, et une BO pour le film Holiday. Avant d'être l'artiste que l'on connaît et reconnaît de sa voix et de son physique, bien avant la Nouvelle Star, il fut tout d'abord étudiant aux Beaux-Arts de Nîmes. Il embrasse une carrière musicale en tant qu'amateur et écume les bars sous le pseudo Julien Gaudy, accompagné de plusieurs amis musiciens. 2006-2007, premier groupe fondé aux côtés de Guillaume de Molina sous le nom Jean d'Ormesson, Disco Suicide. Reprenons des succès disco à leur sauce. Et ce premier projet est suivi d'un nouveau groupe dont il est le leader. Ce sont les Dig Up Elvis. Et déjà, il veut faire la promotion en participant à la 5e saison de la Nouvelle Star, qui était à l'époque sur M6. Je vous épargne bien sûr les détails dont il est sorti vainqueur de cette émission. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, allez tout bonnement voir. En tapant le lien que je vous transmets ici ou en cliquant dessus hein, si c'est un bout de Dieu. Ensuite s'ensuit un contrat avec une maison de disques et le premier album. Mais la pression restant trop présente, il rumine ce nouveau challenge durant l'hiver 2007 en partant en tournée avec les Dig Up Elvis. 2007, premier single rock, reprise complètement personnelle de Moi Lolita de Alizé. Titre d'ailleurs qui a été chanté lors de l'émission Nouvelle Star. Puis vient le second single au titre original Les Limites. Clip qui rend hommage à Serge Gainsbourg chez les Yéyé. Deuxième hommage également sur le premier album. Sur le titre SS In Uruguay. Bref, il y a d'autres titres que je vous invite à découvrir sur le premier album. En 2010, alors qu'il planche sur le deuxième album solo, il concocte sa première BO pour le film Holiday de Guillaume Niclou. En 2011, l'album Bichon, dont il fait de nouveau valoir sa fantaisie naturelle. Et malgré ça, le succès n'était pas. Pas vraiment au rendez-vous par rapport au premier album. Octobre 2013, sortie de l'album Love, enfin Louvre. Et c'est de cette. Enfin bref, c'est de cet album que je vais vous parler. Donc Julien Doré s'appuie sur un disque pop à la française, accessible à tous, qu'on ne se lasse pas d'écouter. L'album plus solaire, du moins la première partie. Des chansons d'amour, des textes plus poétiques, des mélodies rythmées. Un accent sur la fantasy, juste sur un titre, le titre Platine. Et franchement, j'ai pas compris certains internautes qui ont cassé du sucre sur cet album dès la sortie. Pourtant, je le trouve assez. Le plus abouti que. Je trouve que c'est un album très abouti par rapport à ce qu'il a fait depuis le début. J'ai eu 2 écoutes. Une écoute à la maison et une écoute dans la voiture. C'est un album qui m'a captivé. Musicalement et textuellement. Personnellement, c'est un très bon album. Je me sens assez proche de cet album. De par son côté décalé. Mais aussi son côté mélancolique. Julien Doré confirme bien que c'est un artiste à part, avec son propre univers. Alors voici l'album, en présentation.
Donc, la pochette principale. Tourne la page. On voit Julien avec un morceau. Donc là, la CD. Avec. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voyez les prononciation du de l'ouvre justement danois. Il y a bien l'explication. Donc, alors c'est un album qui existe aussi en vinyle. Alors je sais pas ce que c'est, ce que comment il se présente en vinyle, hein, mais plutôt sympa. Voilà, par contre je vais galérer pour retirer la pochette. Je voudrais pas l'abîmer quand même. Donc, voici la pochette. Donc, alors, comme quoi, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ah, c'est un peu trop. Attendez, ce que je vais faire, c'est zoomer ici. Voilà. Vous voyez, le lion et le moucheron, Gustave Doré. Alors, ça, c'est quand même assez cool. Assez fort du choix de l'illustration ici. Voyez, donc là, comme tout album, hein, les textes et des illustrations. Qui sont faites de l'artiste. Vous allez bien voir, de toute façon. Expliqué de toute manière là. Donc, si on voit bien normalement, donc ici bien sûr pour les instrus et les photos, les images, enfin tout ce qui est images, vraiment les illustrations, on les revoit ici. Et illustration, c'est ici aussi, voilà. Et puis texte bien sûr. Voilà, donc ça forcément c'est un bel album, hein. Mieux que l'artiste pour en parler. Je vous invite donc à cliquer sur ce lien. C'est sur l'émission N'est pas couché, qui datait du 2 novembre 2013. Et pour découvrir plus profondément Julien Doré, allez donc voir en cliquant ce lien YouTube sur l'émission Thé au café sur France 2. Alors cet album est disque de platine depuis le 28 janvier, a été nommé également aux victoires de la musique dans la catégorie meilleur album. J'invite celles et ceux qui n'ont pas encore découvert l'album à le faire. Et pour les autres, mon titre préféré c'est Vibor. Et vous alors, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et quel est votre titre préféré? Actuellement en tournée, donc avec sa petite troupe habituelle. Donc voici les dates. C'était Elisabeth Leiner sur la toile pour l'émission Zikafo 1 de la saison 2. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !